Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Shiba Inu, nous allons parler de tout ce qui est fait comme exploit sur Shiba Inu. Alors voilà toute l'actualité sur cette petite crypto-monnaie qui prépare aisément son bull market. Nous allons faire un petit briefing aussi sur Baby Doge. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Shiba Inu, voilà, lancé depuis 2020. Alors, lors du bull market 2021, a fait plus de 60 millions de pourcents. Cette petite crypto-monnaie de la catégorie Meme Coin qui résolument a quitté, voilà, cette catégorie pour se hisser dans les altcoins les plus consolidés de l'écosystème des crypto-monnaies, se négociant, voilà, parmi les 20 premières crypto-monnaies les plus précieuses au monde. Voilà ce que c'est que le Shiba Inu. Alors, dans son ascension, le Shiba Inu a mis beaucoup de fondamentaux en place. Alors, il y a eu le Shiba Swap qui est, voilà, cet échange décentralisé qui permet, voilà, aux différents utilisateurs de swapper, voilà, plusieurs crypto-monnaies via cette plateforme. Alors, ils ont aussi mis en place dernièrement, voilà, le Shibarium. Dans l'évolution du Shibarium, voilà, dès le lancement, alors le réseau a été saturé, voilà, vu l'affluence et vraiment l'engouement qui était, voilà, dans ce réseau. Alors, il a été demandé d'augmenter la capacité du réseau pour pouvoir permettre au réseau d'être, voilà, plus efficace, ce qui a été fait et le réseau a été mis en place. Mais tout de même, dans l'évolution, un hard fork a été nécessaire au niveau des blocs pour permettre au Shibarium d'être encore plus ultra rapide. Alors, ce hard fork s'est fait dernièrement, ce hard fork s'est fait dernièrement et ça s'est fait avec succès. Alors, le hard fork à la hauteur de bloc de 4 504 576, voilà ce qui a été fait à la hauteur des blocs qui ont été, voilà, on va les diviser, voilà, pour permettre, voilà quoi, le résultat final, c'est avoir des transactions ultra rapides, comme Satoshi Kusama l'a dit. Il dit préparez-vous à l'impact. Ensuite, les frais d'essence, les frais de transaction qui ont été encore réduits. Alors, tout ça va avoir un impact considérable sur le coût du Shiba lui-même. Alors, le Shiba, à l'heure de cette publication, de cette capsule, voilà, le Shiba se négocie autour de 0,40 après la virgule 25 à l'heure de cette publication. Quand on voit le Bitcoin aussi, qui a repris le poil de la bête, le Bitcoin qui se négocie autour de 64 182 $. Ceci aussi est un impact aussi sur l'évolution du prix du Shiba qui a pris plus de 9%, voilà, au cours de cette semaine là. Plusieurs autres informations sur le Shiba nous donnent quand même voilà, une visibilité sur ce que le Shiba est en train de mettre en place, comme Satoshi Kusama le dit. Ceux qui préparent, voilà, ceux qui construisent pendant la baisse sont ceux qui gagneront pendant la hausse. Alors le Shiba ne manque pas à cette théorie, voilà, qui a été mise en pratique carrément. Alors, notons déjà par rapport au Bitcoin, les baleines ont investi, voilà, au cours de cette semaine, plus de 2,8 milliards de dollars en BTC, poussant le BTC à quitter la position de 59 000 dollars. Ils ont profité de la baisse. 59 000 dollars pour l'avoir, 64 000 dollars à l'heure de cette publication. Alors, c'est l'un des impacts qui justifie un peu, et voilà, l'engouement du BTC, alors qu'il y a forcément un impact sur toutes les autres crypto-monnaies. Notons aussi Shiba, voilà, sa cotation sur Binance Japon. Le dernièrement, le Shiba a été coté sur Binance Japon, ce qui a poussé encore, voilà, le prix aussi à la hausse. Pourquoi? Parce que il se négocie sur la paire Shiba JPY, voilà, la monnaie locale japonaise. Vous pouvez directement, ceux qui sont au Japon, utiliser le Shiba pour, voilà, spéculer là-dessus. Alors tout ça aussi a un impact positif pour le Shiba. Autre information assez intéressante, alors pour les gens qui sont aux États-Unis, alors désormais vous pouvez passer par PayPal pour utiliser, voilà, payer PayPal pour payer du Shiba. Voilà, désormais tous ceux qui sont aux États-Unis peuvent utiliser PayPal pour acheter du Shiba, ce qui est
quelque chose de très notable quand nous savons l'utilité de PayPal, surtout en Europe. Voilà un peu ce qui est intéressant par rapport au Shiba. Tout ça, alors c'est quoi? Ce sont les fondamentaux solides qui, voilà, à temps voulu, vont impacter sur les décisions des utilisateurs. Une autre information intéressante, MoonPay, qui est ce processeur de paiement aussi, via lequel maintenant vous pouvez aussi payer du Shiba via MoonPay. Alors ça, quelque chose encore de très intéressant pour le Shiba. Notons aussi que Kraken, voilà aussi, à faire entrer une nouvelle paire de devises dans le trading futur, trading de marge. Alors, le Shiba est rentré plein pied là-bas aussi. Alors, une nouvelle paire de devises a été ajoutée à cela. Tout ça, alors, c'est des auspices assez intéressants pour le Shiba. Notons que la capitalisation boursière du Shiba, qui était autour de 7 milliards, est passée actuellement à 14 milliards. Elle a doublé cela en quelques semaines seulement. Alors, le Shiba se négocie actuellement à 4,25€, voilà 4,0€ après la virgule 25, avec une capitalisation boursière de 14 milliards de dollars et un volume d'échange à l'heure de cette capsule à 456 millions de dollars. Voilà ce que le Shiba est en train de faire et tous ses fondamentaux, quand nous voulons analyser tout ceci, alors tout ceci est en train de mettre en place quelque chose de solide. C'est un soubassement pour une propulsion vers le firmament que le Shiba est en train de faire. Alors, un nouveau ATH sera touché forcément avec tout ce qui a été mis en place. Si vous ne le savez pas, le Shiba, l'ATH du Shiba était à 4,08. Alors, cela a été bloqué même à 4,08 parce que le Bitcoin qui était allé à 9 000 $ en 2021 a commencé à piquer du nez. Alors, ce qui a poussé tout le marché à descendre. Si le Bitcoin continuait jusqu'à 100 000 $, alors le Shiba allait finir avec ce zéro, même peut-être entamer un autre zéro. Voilà des choses qui sont passées en 2021. Et en 2024-2025, qu'est-ce qui sera l'impact? Voyant déjà le Bitcoin qui est en train de repartir à la hausse, sur le Bitcoin nous donne l'aise. Voilà l'estimation qu'on a fait sur le Bitcoin nous donne cela. Cathie Wood qui présente le Bitcoin pour 1 million de dollars pour cette année. Certains le voient, voilà, pour plan B avec sa stratégie stock to flow, qui projette le Shiba et qui projette le Bitcoin, voilà, autour de 300 et quelques mille dollars. Voilà, et certaines prévisions vont au-delà de tout ceci. Alors, tout ça, ce sont des bonnes auspices pour le marché de la crypto-monnaie. Tout ça prépare ce qu'on appelle le super cycle. Nous avons parlé de ça longuement dans nos différentes formations pour expliquer pourquoi c'est un super cycle. Quels sont les éléments, voilà, qui, voilà, nous donnent la permission de dire que c'est un super cycle. Alors, tous les indicateurs sont au vert que nous sommes dans un super cycle. Et ce super cycle, comment l'appréhender? Comment se positionner dans ce super cycle? C'est là que nous rentrons en ligne de compte avec des analyses pointues, des analyses à couper le souffle qui vous permet, vous, en tant qu'investisseur, de prendre les meilleures décisions sur le meilleur narratif. Voilà, parce que, voilà, qui dit bull market parle aussi de narratif. Il ne s'agit pas d'aller investir pour investir, mais vous investissez dans quelle tendance, vous investissez dans quel narratif. Alors, c'est de ça qu'il est question. Et donc, au nom au niveau des différentes formations que nous faisons, alors, nous décortiquons tout cela est décrypté afin que chacun puisse tirer profit de ce bull market. Comme nous le disons, en un seul bull market, il est possible de devenir millionnaire et même milliardaire. Cela est possible si vous savez comment vous y prendre avec une bonne formation et une bonne stratégie. Cela est possible. Voilà ce que vous devez comprendre déjà sur le Shiba. Parlons de Baby Doge. Alors, dernièrement, nous avons fait la vidéo quand nous étions au niveau du Burkina, où nous avons parlé des Baby Doge qui avait demandé le vote pour l'annulation des frais sur la Binance Smart Chain. Cela est rentré maintenant en ligne de compte désormais. Voilà, cela est mis en marche et donc les frais sur la Binance Smart Chain ont été annulés. Maintenant, quel est l'impact de ceci derrière? Derrière ceci, c'est en train de vous dire aussi que, voilà, désormais, les brûlures mensuelles qui étaient faites chaque mois, Baby Doge brûlait une certaine quantité, cela ne sera plus fait encore. Voilà aussi ce que ça signifie par derrière. Et donc, si vous avez voté, alors vous avez dû lire ce paramètre là-bas dedans. Alors, il a été décidé qu'à partir de maintenant aussi, alors les réflexions aussi qu'on nous donnait, 5% au holder, 5% voilà, pour la liquidité, 5% pour le burn mensuel,
alors cela ne sera plus d'actualité. Alors voilà, tout ce qui sera récupéré, alors peut-être va permettre à ce qu'on renforce la liquidité et simplement cela. Alors tout ce qui est réflexion s'arrête maintenant. Tout ce qui est burn, voilà, au niveau mensuel aussi, n'est plus d'actualité. Voilà ce que Baby Doge nous dit. Alors, est-ce que la communauté est d'accord avec ceci? Baby Doge qui ne fait pas de brûlure, est-ce que c'est une bonne décision pour la communauté? Alors, nous ne pensons pas que cela soit une bonne décision s'il n'y a plus de burn, voilà, on va dire mensuel au niveau de Baby Doge. Alors, peut-être que l'équipe, voilà, prépare aussi quelque chose d'autre que nous ne savons pas. Mais déjà, je ne trouve pas que cela soit vraiment de bonnes pistes parce que Baby Doge a une quantité assez astronomique encore en termes de supply. Alors que les burns, voilà, apportaient un plus. Alors que quand on pose la question au développeur, le développeur principal de Baby Doge dit que, quand on regarde de façon significative, il dit que voilà, les burns n'ont pas apporté grand-chose, voilà, aux différents évolution de Baby Doge, et donc selon eux, voilà, l'enlever alors va pas apporter, voilà, va pas avoir des changements sur l'écosystème. L'un dans l'autre, le nombre de Baby Doge continue de croître. Nous espérons que Baby Doge amènera d'autres innovations qui vont permettre à ce que vraiment les objectifs de Baby Doge soient atteints. Voilà, pour ce bull market, au moins 1 ou 2 euros puissent voilà, partir pour permettre aux investisseurs qui patientent, qui voient les PP en train de monter, PP qui viennent d'arriver, qui montent. Alors, plusieurs projets sont venus après Baby Doge qui explosent et tout ce qui retarde Baby Doge, le poids qui retient Baby Doge, c'est son supply. Et c'est ce supply-là dont il n'est plus question de faire du burn mensuel. Alors, quel sera l'impact sur l'avenir de Baby Doge? Cela va se savoir dans les prochains mois. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour les prochaines éditions de la formation, c'est prévu au niveau de San Pedro le 24 et le 25 mai prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph, voilà, au niveau de la ville balnéaire de San Pedro. Alors, après San Pedro, nous allons partir interagir à Abidjan. Et la formation d'Abidjan, c'est prévu à la période, voilà, du 6 juillet prochain au niveau d'Abidjan. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle voilà, Bill, le leader Georgette, et le leader Elisabeth du côté d'Abidjan. Alors, comme on vous l'a dit, Oumé est rentré aussi en ligne de compte, voilà, en thème, voilà, de formation. Et désormais, Oumé, voilà, aussi va recevoir sa formation à partir, voilà, du 13 et du 14 juillet prochain. Allez interagir avec, voilà, le leader qu'on appelle, voilà, Mobio. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.